Hey, vous là, affaire de Corona là, c'est sérieux, hein? C'est sérieux, hein? Moi-même aujourd'hui là, de mes propres yeux, à Djamé, j'ai vu deux fous qui étaient couchés en bas du pont. Et puis il y a un qui dit à son camarade, hey, toi là, pousse là-bas. Il a poussé, il dit pousse encore, il a poussé. Après lui-même, il allait prendre mettre des menuisiers là, ou bien des maçons là. Il est venu, il a mesuré entre les deux. Et puis il dit, voilà, ça fait 1 mètre maintenant. L'autre fou là lui demande, mais. Pourquoi tu me dis de pousser? Il dit, tu es malade. Depuis, on parle de coronavirus. Toi, tu n'es pas au courant. Moi, où je suis là, la folie a déjà mélangé ma vie. Faut pas, tu vas envoyer coronavirus sur moi. Ça va venir compliquer encore ma vie. J'étais arrêté. J'ai dit, hé, c'est que vraiment, corona, c'est sérieux. Jusqu'à les fous parlent de ça. Donc, vraiment, nous-mêmes qui nous disons lucides là, si les fous parlent de ça et que nous, on respecte pas les mesures de prévention, c'est que nous-mêmes, on est des fois bêtes. On est des fois fous. Vraiment, je vous demande de respecter les mesures. C'est pour notre vie. C'est pour sauver nos vies. En tout cas, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Ou bien une solution hydroalcoolique. Évitez de toucher vos narines, vos yeux, vos bouches avec vos mains qui se promènent partout, partout. On ne sait pourquoi là. Voilà. Parce que si le virus est sur vos mains, là, que vous touchez vos bouches, vos narines, vos yeux, ça va vous infecter. Évitez de vous promener en groupe. Évitez les rassemblements de plus de 50 personnes. C'est ce qu'on vous a dit. Si vous vous promenez pas, hein, les gens là-haut, ça fait quoi? D'ailleurs, même si vous sortez pas, ça fait quoi? Restez chez vous. Et puis, si vous avez envie d'éternuer, si vous n'avez pas de mouchoir que vous voulez éternuer, formez votre coude comme ça, pliez ça. Voilà. Et puis, éternuez dedans. Ou bien, pliez le coude si vous voulez tousser là. Vous toussez à l'intérieur. Ça évite de propager si éventuellement vous êtes contaminé là. Ça évite de contaminer les autres. Maintenant, si vous avez mouchoir, vous toussez dedans ou bien vous éternuez dedans, vous pliez, vous mettez dans une poubelle fermée. Et puis après, vous lavez correctement les mains. Surtout, lavez-vous les mains. Hein? Lavez-vous les mains. Voilà. Moi, où je suis là, je suis déjà à la maison, auto-confinement. Corona a déjà reporté mon spectacle. Donc, je suis là, j'ai réfléchi, comme vous et moi. Quand tout va finir, on va relancer le spectacle. Voilà. Bonne santé à vous et que Dieu nous garde. Ciao.